Allô tout le monde, j'espère qu'une petite précision, ok, parce que j'ai oublié de faire une intro pour cette vidéo-là. C'est juste pour vous dire que dans le fond, c'est la partie 2 de la vidéo de la semaine passée. Puis c'est ça, fait que je vous montre le linge que j'ai pas eu le temps de montrer dans l'autre partie. Fait que c'est ça, je vous laisse écouter la vidéo. Maintenant, au Urban Planet, ok? Ça là, c'est ma petite trouvaille, je suis vraiment contente de l'avoir trouvée. À chaque fois que je la mets, j'en reçois que des commentaires positifs. Donc, c'est une veste en jean. Là, je sais pas comment vous la montrer pour bien la voir, mais je vais vous mettre des images pour que vous voyez mieux, inquiétez-vous pas là. Mais, dans le fond, il y a un capuchon comme ça qui vient avec les petits cordons là, que tu peux ôter. Il y a genre des boutons là, puis tu peux l'ôter ou le remettre. Fait que, mettons que t'es déjà en été, tu peux l'ôter ou en même temps que t'as déjà un polar en dessous, tu peux l'ôter. Puis la fin là, genre de la veste avec des petits trous là, oh, je suis pas capable de vous montrer comme il faut. En tout cas, ça allait mieux voir dans les images que je vais vous montrer. Et en plus, c'est comme des petits endroits qui sont plus foncés, comme ici. Là. Le bleu ici est plus foncé. En tout cas, je trouvais ça vraiment, vraiment beau. Puis là, je m'attendais à 70$ à peu près. Je me suis dit, tu sais, c'est vraiment belle. Il y a des trous en plus. Puis en plus, là, il y avait le capuchon intégré. J'étais comme, tu sais, ça me coûtait genre 70. Là. Je check le prix, 55. Je regarde mon ami, je suis comme, je l'achète. Genre, il n'y en avait pas question que je parte sans cette veste. Fait que finalement, je l'ai acheté. Elle était 55,95 je pense. Ouais, ben 55,99. 54,99 donc 55$. Puis pour vrai, j'étais vraiment contente de mon achat. Là. Je reçois que des commentaires positifs. Puis je l'aime tellement, je l'apporte tout le temps. Fait que voilà pour le premier achat chez Urban Planet. Ok, là il y a deux morceaux que je porte, là vous voyez pas mes pantalons, il y a deux morceaux que je porte en ce moment qui viennent de chez Urban Planet et je peux acheter des pantalons genre cargo beige. Là ils sont sur moi, fait que je vais vous le montrer comme ça, mais encore une fois je vais vous mettre des images, inquiétez-vous pas, pour que vous voyez plus clair. Mais c'est des pantalons comme ça cargo avec la ceinture comme ça, puis vraiment genre les grandes poches, je l'aime full, puis la fin comme ça avec un élastique, puis pour vrai je les adore, ils sont full confo. J'avais pas de chandail pour mettre avec. Fait que je me suis dit que j'allais acheter justement ce chandail noir là. Puis le deuxième est à 50% de rabais. Fait que j'ai acheté le même chandail mais dans une autre couleur. Puis pour vrai, ça avec mes pantalons noirs puis ma veste en jean, ça fait tellement beau là. Genre je l'avais mis justement. J'avais mis ça avec mes pantalons noirs dans mon autre vidéo où je montrais mon linge que j'avais acheté à Flippy. Puis en tout cas, je trouve ça fou beau. Je suis vraiment contente. Et là je vais vous dire les prix maintenant avant que j'oublie. Donc mes pantalons cargo sont 50$, mon chandail noir 12,99$, puis l'autre chandail pareil comme ça mais plus orangé là. Je sais pas si vous avez comme bien vu la couleur là, je vous l'ai montré vraiment vite, mais comme de cette couleur là, lui il m'a coûté 12,99$ aussi, mais il était à 50% de rabais. Donc excusez-moi. Fait que là mes shorts d'enfant étaient 24,98$. Ils sont vraiment belles. Là, je les ai roulés vite. Là. Ils sont vraiment mal roulés. Mais en tout cas, vous comprenez le principe, c'est des petites shorts là, roulées. Fait que comme ça. Puis là, je pense que c'est tout pour Urban Planet. Il me reste un magasin, ok? Ça là, genre, je m'en vais jamais là-bas. Mais j'avais fait une story sur Instagram pour demander s'il y avait quelqu'un qui savait où est-ce qu'il y avait un petit par-dessus, genre léger à manches courtes blanc. Parce que j'en trouvais nulle part. Puis un fille qui me dit d'aller voir chez Ardenne parce qu'il y en avait où est-ce qu'elle travaillait. Je me suis dit, bon, ben je vais aller voir, tu sais, au Ardenne. À Chutimissi, il y en avait. Puis finalement, j'ai tout acheté, genre, sauf ça. Parce que, tu sais, j'ai pas trouvé mon haut, mais en cherchant le petit par-dessus, ben j'ai trouvé d'autres petites affaires. Fait que. Je savais pas qu'il y avait du linge aussi beau chez Ardenne, là. Tu sais, moi, je m'en allais chez Ardenne, genre, en 6e année pour magasiner des petits chandails avec des dessins, puis tout. Puis, genre, ça a vraiment changé Ardenne pour elle. Ça faisait longtemps que j'avais pas été, puis je suis surprise. Parce que vraiment. Le linge d'été, là, il est tellement beau, j'avais envie de tout acheter, no joke. Je pense que je vais commencer par cette robe-là, okay, qui sort un peu de ma zone de confort. Mais en même temps, ok, c'est comme, tu sais, les robes genre un peu safari, plus comme détective, genre beige. Genre, je trouve ça full beau, mais en tout cas, je suis comme pas game de porter ça. En tout cas, je sais pas si vous savez de quoi que je parle, au pire, j'en ai des images ici, là, pour que ce soit plus clair. Mais comme, je me suis dit, est-ce que j'ose prendre en beige, mais je trouvais que ça faisait trop safari, détective, tout ça, plus... Dans ce thème-là, enfin, je me suis dit que j'allais prendre cette couleur-là, qui est un peu plus vert forêt.
Mais genre, je capote, je trouve ça full beau. Fait que là, elle est un peu flippée. Mais la fond, c'est une robe comme ça. Puis là, je sais pas comment vous montrer. Mais il y a des petits boutons ici. Puis je peux l'attacher à la taille. Puis il y a la fin qui est comme ça. Là, je trouve ça full beau. J'ai jamais porté ce type de robe-là, mais pour vrai, je pense que ça va être beau. En tout cas, j'espère. Puis ensuite, je vais passer au One Piece. Fait que là, j'avais les deux One Piece, ok, parce que je savais pas trop lequel prendre. C'est quand tu prenais un deuxième vêtement, il était à 50% de rabais. Puis là, je cherchais dans le deuxième, ce qui était dans la catégorie des deuxièmes vêtements. Fait que là, il fallait que je cherche là-dedans. Puis là, j'étais comme, oh, j'en trouve pas. Je me suis dit, ah, ben, je vais prendre le One Piece, la même affaire, juste pas la même couleur, parce que je l'aimais trop, genre. Fait je vais commencer par le blanc, parce que c'est vraiment mon préf, là. Ok, c'est un One Piece de même, ok. Oh, je capote, il est tellement beau. Fait il est comme ça, genre que. C'est pas des manches, comment on dit ça, là? En tout cas, dès qu'on voit les épaules, là. Puis en manche courte. Puis checker ici, là, le petit devant, là, il est full beau. Puis je peux faire une petite boucle comme ça. Puis il est un peu plus serré à la taille. Puis il finit en short. Je capote, genre, j'aime tellement la couleur. Genre le blanc avec le petit rouge, là. Puis c'est comme des petites fleurs, là. Full belle, je capote. Je t'ai tout dit que je capotais, je suis comme pas sûre. Et puis là, j'ai acheté le même, mais en noir. Donc, lui aussi, je le trouve full beau. Il y a encore des petites fleurs comme ça. Puis le devant, ben, tu sais, il est pareil, là. Il y a le devant, petite dentelle. Puis ça ici, le petit cordon. Ça finit en short comme ça. Était 29,90 pour les deux, puis il y en avait un autre qui venait à 50% de rabais. Et puis là, ma dernière achat, ok. L'année passée, je me suis acheté une jupe qui ressemble à ça, mais en jean. Puis là, quand j'ai vu cette short-là, j'étais comme, cette jupe-là, j'étais genre, est-ce que je l'achète ou pas, puis j'en avais pas des beiges. Ok, là, en vrai, j'en ai vraiment pas flippé, mais quand je le montre à la caméra, elle a vraiment flippé. Mais en tout cas, pour vrai, elle est vraiment, vraiment belle, là. Il y a genre des boutons tout longs. Comme tu sais, si genre tous les boutons s'ouvrent carrément. Elle est vraiment belle, elle est taille haute. Et puis le prix pour cette robe-là, c'était. Voyons les shorts des robes, c'est une jupe là, une jupe. Elle était 31,90. Fait que voilà tout mon beau l'œil. Je suis full contente. Et voilà, ce qui conclut ma vidéo. J'espère que vous avez apprécié de voir tout mon linge que je me suis acheté. J'espère que c'est pas trop long de faire la partie 1 et la partie 2. Puis en passant, si vous avez pas vu la partie 1, je mettrai le lien dans ma bio si j'y pense. Ou à la fin de ma vidéo, puis je mettrai le lien. Mais c'est ça, tu sais, y a pas de. Ça se suit pas. Fait que c'est pas grave si vous avez écouté la partie 2 puis vous le saviez pas. Là, vous pouvez aller écouter la partie 1. C'est pas grave. Puis c'est pas mal ça qui va rouler ma vidéo dans le fond. Fait que j'espère que vous avez apprécié. Puis nous, on se revoit la semaine prochaine. Bye!